Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la reprise de La Voix du Maître. Voilà, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai encore quelques items à vous proposer sur La Voix du Maître. Vous le savez, j'ai complété toutes les cartes, on va dire, ultra rares de la série hors secrète. Voilà. C'est déjà pas mal, même si j'ai pas eu une très très belle réussite. Voilà, j'ai toutes les cartes ultra rares de la série hors les secrètes. Les secrètes, j'en ai eu que deux différentes. Il n'y en a pas énormément encore, hein. Il y en a peut-être 4 ou 5 qui me manquent. On va continuer, on sait jamais. Pourquoi pas mettre la main sur le fameux Dracofeu. En tous les cas, moi, il s'est barré. Alors, va-t-il revenir? J'en sais rien. Voilà, il est déjà ouvert. Je l'ai reçu comme ça. C'est pas grave, c'est la colle. La colle, elle est pas ouf. Mais au moins, ça permet de l'ouvrir sans le déchirer. Donc, c'est pas plus mal. Et pourquoi pas, je vais le garder. Voilà. Parce qu'il est nickel, hein, du coup. Voilà. Hop, il est nickel. Et je trouve, franchement, ça, c'est magnifique. Ils sont magnifiques, hein, ces coffrets. C'est de très jolis items, en tous les cas. Même si je sais que cette collection fait débat. Tant sur la... Surtout, elle fait débat un petit peu. Moi, je suis assez satisfait, hein, même si c'est vrai que j'ai pas eu énormément de chance. Bon, c'est comme ça, hein, ça arrive, on peut avoir la chance tout le temps, c'est impossible. Je trouve que les items sont plutôt jolis, les coffrets variés, et c'est plutôt sympa. En Goliath V en version Jumpy, on a les petits caches, et ça, c'est génial. C'est génial, je comprends pas pourquoi ils le mettent pas à tous les coups. Ça, je comprends pas. En tous les cas, quand ils y sont, je suis ravi. Ça permet d'enlever les cartes promo sans les abîmer. Voilà, ça c'est hop, comme ça on les fait tomber. Et elles sont là, toutes les deux. Alors, Morpeko et Angoliath V. Voilà, je trouve que c'est très intéressant, ces coffrets. Le petit pins. Alors bon, je suis moins fan des pins. Hein, je préfère ne pas avoir de pins. Une carte promo supplémentaire, hein, pourquoi pas 3. Mais enfin, un petit Morpeko affamé. Bon, c'est pas mal. Et enfin... Ah bah j'ai deux... Est-ce qu'il y avait deux posters? J'ai pas fait gaffe. Bon voilà, il y a deux posters ou pas, j'en sais rien. Bon bref, il y a deux posters, j'aurais préféré un booster en plus. Évidemment. Voilà, alors je sais pas si il n'y avait pas un poster qui s'était glissé derrière, j'en sais rien. Enfin bon, en tous les cas, c'est pas le plus important. Moi j'aurais préféré une carte promo en plus ou un booster, ça aurait été cool. Cool. Alors on a... Torgamor, le gâteau, Gardevoir, et il nous manque Ixon, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Place à l'ouverture, et bah j'espère compléter. Alors là, ça devient compliqué, hein. Évidemment, je vous le cache pas, vu qu'il reste que les Rainbow à compléter, voilà. Que les Rainbow, mais c'est pas grave, j'ai encore des coffrets, bah, je vais les ouvrir, voilà, tout simplement. En tous les cas, moi j'attends avec grande impatience, et vous aussi, je pense, 4.5, voilà, tout simplement. Allez, on va faire comme ça, on va pas se poser trop de questions. C'est vrai que 4.5, ça va être incroyable, mais j'espère cette fois-ci avoir plus de réussite que La Voix du Maître. Enfin bon, ça, ou alors comme Destinée Occulte, évidemment. Destinée Occulte revient, enfin c'est vrai que je vous l'ai proposé énormément sur la chaîne, j'ai fait énormément de vidéos Destinée Occulte, j'ai dû ouvrir à peu près 200 boosters, voilà, et là aussi pas de Dracofeu, voilà. C'est comme chose qui arrive, hein. Malheureusement c'est comme ça, hein. On n'a pas toujours, j'ai eu de très très belles cartes, franchement elles sont là d'ailleurs, vous les voyez, mais pas de Dracofeu, hein. Voilà, c'est comme ça, ah c'est fou, ils n'ont pas la même... J'ai pas l'impression qu'ils ont la même couleur, bon bah, c'est pas grave, allez 1, 2, 3, 4 et c'est parti pour l'ouverture, je parle beaucoup aujourd'hui. Énergie, Victini, Sonia, Cabuche, Potion, Rocabo, Aspico, Tilton, Coconfort, et on aura Sort Silence en holo. Alors vous le savez peut-être pas, pour ceux qui découvrent cette série, il n'y a pas de carte rare standard, mais au minimum vous avez des holographiques, c'est la spécificité de cette série. Moi je trouve que c'est pas une spécificité très intéressante. J'ai préféré largement Destinée Occulte avec les comment ça s'appelle, les shiny, même les petites shiny, elles ont été magnifiques. Alors ils ont repris un petit peu Légende Brillante, voilà, hein, tout simplement. L'idée de Légende Brillante, de mettre une carte holo à tous les coups. Moi je suis pas fan du tout. Sans compter que j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de réussite sur cette série là. J'ai pas l'impression qu'on a plus souvent de cartes ultra rares comparativement à la série Destinée Occulte. Allez, on y va. Stade Grunberry, Charby, Gripat, Chakripan, Bagwan, Pokéball, Motis,
Smart, et on aura ouh, un très beau Florizarre. J'ai mis énormément de temps à l'avoir et maintenant il tombe. Oula, tranquillou, il est venu. C'est sympa. En tous les cas, c'est une très belle double. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment une double qui me dérange pas, Florizarre. Franchement, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique illustration de Florizarre. C'est un très beau Pokémon. Hein. Franchement, il fait plaisir. Allez, on attaque le troisième booster de cette ouverture. Elle commence plutôt bien. Franchement, c'est plutôt chouette d'avoir déjà une ultra sur 5 boosters. Bon, voilà, une deuxième, ça serait pas mal. Hein, je ne vous cache pas. Une deuxième, ça serait plutôt chouette. Voilà, donc on approche des fêtes de Noël en plus. Et ça, c'est une période que j'affectionne énormément. Chapotus, Motismart, Stade Greenberry, Coconfort. On a Miamiasme, Bibichu, Sepia Top, Aspico Total Soin. Et on aura un beau Loup-Garrock holographique. Allez, avant-dernier booster de cette ouverture. Et on aura terminé pour aujourd'hui, voilà, tout simplement. Alors, pour demain, mercredi, je ne sais pas trop ce que je vais vous proposer à l'ouverture. Alors, je ne pense pas faire la voix du maître. Je ne sais pas, hein, je vous dis ça, mais encore un explico. Je ne pense pas. Donc, quand même, je ne pense pas. Je vais peut-être rouvrir un coffret de Noël. C'est sympa aussi, hein, c'est un petit peu la période. Un coffret de Noël, pourquoi pas un coffret exclusif de chez Leclerc. Motocyclette, conserve douteuse, hyper potion. Le petit Aspico, Tilton, Coconfort, on a Pokéball, Machoke et Sorcilence Holo. Allez, dernier booster de cette ouverture, le gâteau. Le petit gâteau. Ouais, pour demain, je pense que ce sera plutôt un coffret, un petit coffret de Noël. Alors, à savoir lequel c'est, je n'en sais rien, on verra. Peut-être un coffret exclusif Leclerc. Allez, dernier booster. On va prendre le temps. Non, on prend pas le temps. On y va. Carte énergie. Machopper. Dame du sang Pokémon. Nabil. Carvana. Tilton. Goupix. Miamiasme. Charby. Très belle énergie. Et on a une magnifique Gardevoir Full Art. Bon, bah, c'est vraiment un très très bon coffret. Très content de cette ouverture, voilà, ça fait plaisir. Franchement, une belle réussite. Allez, on va mettre ça sous pochette et on va faire le petit bilan comme d'habitude en fin de vidéo. Comme je vous ai dit, hein, franchement, beau coffret. Toutes ces petites cartes là, surtout qu'en plus c'est des coffrets qui sont pas trop chers chez Auchan, exclusivité de chez Auchan, hein, vous le savez. Vous le découvrez peut-être, en plus il y a le droit à 6€ de bon d'achat, donc ça fait un coffret à je crois 29€. Et franchement, pour 29€, le pins, les cartes promo qui sont magnifiques et 5 boosters, bah, c'est quasiment cadeau. Hein. La carte énergie, elle est tombée. Hop, on va la remontrer. Très belle carte énergie, reverse, Machop. Total Soin, Motismart et Bagaid qui est une rare holo reverse, et oui quand même. Et enfin donc deux Sorcilence et un Loup-Garrock. Loup-Garrock, Sorcilence. Elle est là. Oh, je savais plus où était. Sorcilence. Et enfin les deux magnifiques cartes, une Full Art Gardevoir V et Florizarre V. Franchement très très sympa. Voilà, j'espère qu'en tous les cas cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai beaucoup discuté pendant cette vidéo. Donc pour demain, ça sera certainement un coffret. Il y aura certainement du Ténèbre Embrasé dedans et peut-être des boosters Soleil et Lune que je vais vous proposer. Et puis par la suite, les jours à venir, il y aura Épée Boulkier 4 et bien sûr de la Voix du Maître. Voilà, je termine les items que j'ai. Et puis voilà, après ça sera terminé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. On se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.